Hop. Eh ben bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison, la saison 2 de Survie Créa Chouchou. La saison est terminée. Bah oui, terminée. On a terminé avec le 69e live. Et on avait rempli complètement tous nos objectifs, c'est-à-dire faire 3 gares, plus un atelier avec des machines créates, ici. Donc 3 gares, Perpète les Bains, Pétaouchnok, Trifouilly les Oies. Là-dessus, un express qui fait les trois villages. Un omnibus, village 2, village 3, un omnibus, village 1, village 3, un train de marchandises qui va chercher du blé à Pétaouchnok, des graines de cacao à Trifouilly-les-Oies, qui ramène tout ça à Perpète-les-Bains où on a une usine à cookies, et on redélivre ensuite les cookies à nos deux villages. Comme ça on a des cookies partout, et on peut remplir l'objectif cookies. C'était le manger le plus de cookies. Là, on est arrivé dans le top 8 avec 3663 cookies mangés. Donc voilà, on a terminé. On redémarre une nouvelle saison parce que j'ai pas envie d'arrêter. J'aime bien trop mes chouchous. Et donc avec des nouveaux objectifs. Les nouveaux objectifs: relier 3 nouveaux villages à notre réseau. Le top 1 cookie. Sans composter, hein, sans tricher. Et une nouvelle usine. Alors pour l'instant a été proposé gâteau. Une usine de gâteau. Faut voir. N'hésitez pas à faire vos propositions, soit dans les commentaires, soit sur le Discord, dans le salon modé chouchou. Des objectifs secondaires: ranger proprement les machines créates à l'atelier. C'est vrai que c'est un petit peu le bazar là-bas. Créer une maison des villageois commerçants à Trifouilly. Ils sont pour l'instant en pleine nature, c'est trop plein de poudre d'os à Pétaouchnok à régler. Ouais, ça c'est un petit souci qu'on a vu, donc on fera ça. Et il faut un garage de la Drésine dans toutes les gares. Et si possible, ce que je ferais, c'est que je ferais des plannings, je mettrais un conducteur dedans, je me ferais balader. Et ce qu'il faudrait voir, ce serait un planning pour dire, je veux aller à tel village, plaque. Que je sois n'importe où, je veux aller à tel village, voir si ça peut marcher ça. Ça pourrait être intéressant. Modalité, ça sera plus en live. Parce qu'en live on fait une nouvelle série modée. Et donc ça sera en épisode de 20 à 25 minutes max. Montage assez dynamique, Johnson. Pour pas perdre trop de temps. Pour les nouvelles gares, on était parti. C'est vous qui choisissez, hein. Je vais essayer de garder une certaine interactivité avec vous. Donc on était parti sur 3 choix: nord, est, sud, ouest, A, B, C, D. Alors, soit en étoile, ou soit en ligne. Donc, en étoile, c'est-à-dire 3 gares parmi ces 4-là. Ou alors en ligne, c'est-à-dire vers le nord, à la ligne A', vers l'est, la ligne B', vers le sud-est, C', sud-ouest, C', et vers l'ouest, D'. Donc, il y a eu un vote, vous avez choisi l'étoile. Après, il y a eu un vote pour les gares, vous avez choisi la gare nord, la gare ouest, et la gare sud. Donc on va raccrocher ça, puis ça va être le fil le plus gros des boulots de raccrocher les gares. Salut Quick Quick. Pour le sud, bah, ça va pas être très compliqué. On va faire une extension. Enfin, ça va pas être compliqué, sauf que là on a une petite montagne. Donc on va faire une extension à la ligne ici pour aller jusque ici. Le village C, il est là. Ouais, la ligne risque d'être rigolote. La ligne risque d'être rigolote. Va falloir aller repérer un peu le terrain. Oh, c'est quoi ce bazar? Il pleut? Bon, on va se planquer, hein. Oh là là, hey. Et puis hop, je vais rajouter des compteurs pour les jours et pour le nombre de cookies qu'on a mangé. Pour l'ouest, le village est ici, dans un désert. Il va falloir traverser une forêt sombre. Là, ça doit être une jungle. Là, une forêt de... Non, c'est ici une forêt sombre. Là, ça doit être une... Oh, me dites pas que c'est une jungle. Ah non, j'aime pas la jungle. Bon, de toute façon, on va se raccorder ici. C'est quasiment sûr. Pour le nord,
Je pense qu'il va y avoir... Le village est là. Alors le nord, vous avez fait un bon choix parce qu'il y a deux villages qui sont collés. Ils sont collés pas loin. C'est-à-dire quand on est dans un village, on voit l'autre. Donc on dit que c'est le même, la même ville. On rajoutera peut-être des trucs entre les deux. Il y a une ville basse et une ville haute. Nous, je pense que le train va arriver dans la ville basse. Et ce qu'on fera, c'est qu'on fera un métro pour relier la ville basse et la ville haute. Avec un système d'ascenseur, créate bien sûr. Pour aller sortir du métro, quoi. Alors que là, ici, ça sera un escalator classique. Hein. Hey, faut pas pousser pépé et mémé dans les sorties. Par contre, le raccordage au village. Alors, on a plusieurs possibilités. Soit on fait une continuité du village numéro 3, avec un gros virage, là. On passe ici, plop, 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 on passe ici, plop, 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 et on arrive à la ville basse. Soit on se raccorde au village numéro 2. Alors, on se raccorde. Alors, côté ici, on va se raccorder là. Le problème, c'est... Et c'est la différence de hauteur. Bon, bah, il fait nuit, on va attaquer le deuxième jour. Le deuxième jour de notre saison 2. Allez, on va dormir. On va aller dormir, il y a un lit. Oh, on va être trempé. Il y a un lit ici. Normalement, il doit plus pleuvoir. Bon, il n'y a pas de train qui arrive. Hop, hop. Donc ici, on continue la voie. Et là, hop. En fait, il faudrait, dès qu'on est ici, il faudrait virer. Il faudrait virer à gauche pour aller par là. Bon, il y aura un gros remblai à faire. Et puis, on partira par là. Donc là, on sera bien par là. Donc deux possibilités et puis après ben, on file par là plop 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 et on arrive. Donc je pense que je vais organiser un petit vote pour savoir est-ce qu'on raccorde le village le village nord, est-ce qu'on le raccorde au village numéro 2 par ici ou au village numéro 3 par ici. Ça pourrait être intéressant d'avoir le truc. Bon, ben, il va falloir se mettre au boulot, hein. Tout en sachant que, si on regarde les stats, il faut faire tout ça. Comme un de nos objectifs, c'est le top 1 cookie, c'est qu'il faut manger plus de cookies que d'utilisation. Il faut manger au moins 70 000 cookies. Vu qu'on a utilisé 70 000 fois l'appel en diamant. Donc l'appel en diamant, elle est proscrite. On ne doit plus l'utiliser, hein. On s'est fait une pelle en fer, raccommodage, efficacité 3, solidité 3, toucher de soie. Alors toucher de soie pour récupérer de l'herbe aussi, un max d'herbe, parce que pour faire les remblais, la terre on l'a utilisée 50 000 fois. Donc faut plus utiliser de terre non plus. Les autres ça peut encore passer, c'est pas encore trop. Puis la pierre on est obligé puisque c'est ça qu'on utilise comme ballast. Hein. Mais les autres, les trois premiers, faut vraiment plus les utiliser. Quoi. Et je vais quand même récupérer. Il y a des trucs qui traînent partout là. Ouais, du rail là. Oh, c'est pas possible ça. Bon, ça y aura l'occasion d'en refaire. Hein. Hop. On récupère les trucs utiles. Là. Bon, le truc c'est du bois, ça se refait facilement. Un bouquin raccommodage. Comment j'ai fait un bouquin raccommodage ici moi? La terre, on a dit qu'on l'utilisait plus. Ah, ça, pour avoir de l'XP. Hop, hop. Et hop, deux cookies de plus. Trois, en fait. Ouais. Ok. Bon. Ah ben j'aurais pu prendre l'omnibus pour aller au village numéro 3.
Le prochain qui arrive, c'est l'omnibus 23, dans 3 minutes. Mais il vient d'arriver là, donc en fait, il va arriver beaucoup plus tôt. Il fait son demi-tour, et il revient et il part. Ouais. Salut, Quick. Je me recharge en cookie, moi. Ce serait peut-être pas bête. Hein. Il va falloir d'ailleurs trouver des noms pour les trois villages. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre vos idées les plus farfelues en commentaire. Le truc, c'est que c'est un nom qui doit pas exister et qui fait référence à quelque chose de lointain. Trifouille les oies, perpète les bains, péta ou schnock. Ne me dites pas que Trifouille, il y a un patelin qui s'appelle Trifouille. Je vous croirais pas. Ah, j'en ai pris trop! C'est bon, un stack. Du coup, on est à combien là? Il faut qu'on recale le compteur. 3676. Allez, pop pop. Ah oui, alors ici, c'est ici que je cherche des trucs, encore du rail. Ah, une machine à trancher, ouais, on peut la prendre. Pop, hop, hop, le reste, on s'en moque. Le reste, on s'en moque. Des bâtons, je sais pas si ça vaut le coup, des bâtons. Et ici, bouton en pierre. Ça doit être un... Une expérience qui a mal tourné. Tiens, je vais reprendre du sapin. Ouais, donc du coup, j'ai moins besoin de ça. Ok, hop. On va à la gare. Alors, ici. C'est du truc de terrassement. Ah, ma pioche, je l'ai laissée là. Adieu, petite pioche. Petit ange parti trop vite. Ouh, ici, on a du truc. Mais bon, c'est que du... Ouais, on peut s'en passer. Bon, ben, hey, encore une autre journée. Je dois voir un plumard ici. Je sais pas où il est, par contre. Oh, salut Bob. Voilà, il est l'heure de dormir. Ici, on a un petit... Ah ben non, on n'a pas mis de plumard. Par contre, on a mis des trucs. C'est pas grave, j'en ai un de plumard. Ici. Ah oui, je voulais de l'XP pour fusionner. Bon, on verra plus tard. Ah oui, il y a pas mal de trucs. Il y a de quoi faire du béton, tout ça. Oh, c'est cool, ça. Ouais, sinon, c'est pas... Oui, là, c'est du... Bon. Ok. On peut laisser ça tout ici. Tiens, oui, je vais aller vérifier. Non, il n'y a pas de plumard ici. Bon. C'est honteux. Bon, ben on reprend le train. Du coup, le tableau, il est en bas ici, pour savoir. Et donc, on retourne objectif. Et ben, il y a l'omnibus 23 qui arrive. Sinon, il faut attendre 8 minutes pour l'express. Bon, dans une minute, l'omnibus 23, donc l'omnibus pour Péta ou Schnock, il faut passer en dessous. Hop, un petit cookie. Pop. Bon, voilà, enfin, l'omnibus pour Péta ou Schnock. Allez, re-salut, Quick. Faudrait que je diminue les attentes en gare, c'est hyper long. Hein. Et on a trois fois le temps de remonter dans les trains, là, c'est pas possible, cette histoire. C'est pas possible. Oula, il doit pleuvoir. Vache, la descente. Il est 9h30, hein.
Ce changement de luminosité. Ça plombe le. C'est le Mordor, là. C'est le Mordor. Bon, j'ai une correspondance à Petaouchnok. Petaouchnok qui va donc être une gare qui va prendre de l'ampleur. Puisqu'on va raccorder deux nouvelles gares d'ici, oui, ça va prendre. Ça va être un gros nœud ferroviaire. Alors au départ, on va rester avec nos deux quais, nos deux voies. Bon ben, salut Kloutbrick. Par la suite. Ah cool. Il faudra voir si s'il y a trop de trafic, on rajoutera deux voies ici. Ouh, il va y avoir du déplacement de maison à faire. Bon, on va voir à quelle heure est notre train. Alors, pour Perpète-les-Bains, l'express dans 6 minutes. Et l'omnibus 12, il est où? Bon, ben, il va faire nuit. Et il y a l'express qui est annoncé dans 1 minute. L'omnibus 12 dans 2 minutes. 17h39. On va arriver de nuit. Là, l'omnibus 12. Qu'est-ce qu'on fait? 18h30. Ça va pas être évident. Hein. Faudrait que je bloque l'express. Je dorme. Ouais, parce que ça va mal finir. On n'est pas du tout protégé dans les trains. Oh, vite. Vite, 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 vite. Salut, Pouletto. Ah, zut. Voilà, planning enlevé. On dort. On passe la nuit. Et hop, une nouvelle journée. Je remets le planning et hop, voilà. Et merci pour l'œuf. Hein. Ah non, on n'est pas parti, c'est l'autre crin qui est parti. Ça m'énerve ça. Ah, quand même, c'est pas trop tôt. Voilà l'atelier. Enfin, les ateliers. Ouais, donc on va moderniser ça. On va moderniser tout ça. Hein. Donc voilà, Perpète-les-Bains. Hop. Allez, salut Pouletto. Oui, donc. Notre notre principe de base, ça devait être de continuer la voie en double voie, hein, je pense. Alors, ça va. Non, on va pas faire un tunnel. On va pas faire un tunnel. Bon, on va étudier un petit peu les différents passages. Alors, un mode avec journée map qui est bien, c'est le mode topographie qui permet de voir. Si on fait un tunnel, en fait, il va passer juste là. Ouais, on peut, hein. Alors, j'ai un plumard, j'ai des cookies, on peut aller en observation. Hop. Donc, faut passer tout ça. Hop.
Et on va ressortir quelque part ici. Bon, va falloir couper du... Va falloir couper du bois, hein. Il va y avoir un... Hop, hop. Ah oui, c'est cassé que j'ai... Il faudrait que je laisse un... On va pas pouvoir les récupérer, les trucs. Faut que je laisse un coffre avec tout ce qui est, tous mes trucs. Faut que j'ai un inventaire propre, hein. La base, les gars, c'est d'avoir un inventaire bien rangé, hein. Si vous n'avez pas d'inventaire bien rangé, vous irez pas loin dans la vie. Bah du coup, on va se faire un petit coffre en bois. Hop. Et on va déjà poser tout ça. Pop, pop, pop. On va poser... ouais, non, ça, on va le garder. Alors ça, on n'en a pas besoin. Ça, on le récupérera plus tard. Ça, ben, on va avoir plein de bois, donc ça va être bon. Hop, 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 ça, on les garde. Et puis, ben, c'est bon. On est parti, on n'est plus là, les gars. Allez, hop. Alors, on est où, là? Donc, on passe comme ça. Je pense qu'après, il faut aller... oui. Il va falloir qu'on passe là, je pense, hein. Alors, on se dirige où? On est censé aller là. Ouais, donc... je pense que le mieux, ça serait de passer là. Faut faire attention, il y a un gros trou. Donc, on va descendre là, et on va passer ici. Donc, on va par là. Pop, 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 pop. Le long de la rivière. Enfin, il va y avoir du remblai quand même à faire, hein. Alors le verre, c'est pas un problème à récupérer. C'est la terre qui va poser problème. Oh, vache. C'est un peu accidenté quand même comme coin. Et donc là, on serait... Ouais, ici. Donc là, on va se mettre un point de repère. Donc là, on vient d'ici. Et on repart par là. On met une petite torche dessus. Donc là, on part comme ça. Bon, là, on arrive à la montagne. C'est là où il faut passer au ras ici, hein. Ah ouais, ok. Bon. Ah oui, c'est ce truc-là. Bon, ben, je pense que là, il n'y a pas le choix. Faut passer ici, hein. Donc faut plutôt passer ici. Ce qui veut dire que ça va déterminer. Le virage qu'on veut faire là-bas. Bon allez. Il m'en faut plus. Et 17h55. Ah tiens, il a pété le... Le cochon de l'espace, il a pété le truc à côté. Bon, le machin de boulot, j'en veux pas. Par contre, je veux bien les troncs, moi. 18h22, ben on va dormir. Et hop. Alors, on part par où? On doit partir par là. Donc l'autre, ah oui, l'autre était là. Alors on va quand même vérifier qu'on fait un travail propre. Tac, tac, tac. Ok. Bon, ça on en a plus, donc on va prendre de ça. 1, 2. Ah ben lui il est bien. On va le péter juste au-dessus.